J'étais sûre que c'est toi, Tchatchou. Depuis le début d'un Tchatchou, tu permets chaque fois de venir en retard. Ça veut dire quoi ça? Hein? Tu es à deux pas de l'école, mais chaque jour que tu fais, tu es en retard. Non seulement tu es le dernier de ta classe et tu te permets de faire des trucs comme ça. Ça veut dire quoi ça? Hein? Tu vois, les fois passées, j'ai toléré. Mais aujourd'hui, tu vas me dire pourquoi tu es en retard. Ah ah! Maman, je voulais vous expliquer ça. Le matin, vers 6h30, je dormais. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé le MENA qui jouait un match contre l'Afrique du Sud. Le match était secoué. MENA a pu marquer un but. Donc quand je me suis réveillé, c'était la première mi-temps. J'ai dit, je vais me coucher pour suivre la deuxième mi-temps. Donc deuxième mi-temps, Orano, Mazou, il a pris la balle. Il est allé à gauche, il est allé tout droit. Il ne voulait tirer pas. Je me suis réveillé. Quand j'ai regardé l'heure là, déjà, il était 8h, madame. C'est pour ça que je suis venu en retard. Tchatchou, tu te fous de moi. Voilà. Madame, j'ai rêvé. Toi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te fous de moi. À moi ici. D'accord, on y va. Tu vas t'expliquer. On y va. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, Tchatchou, chaque jour que Dieu fait, il vient en retard. Non seulement il connaît rien en classe, il est le dernier de sa classe et il se permet de faire des trucs comme ça. Ce matin, il est venu en retard, je lui demande pourquoi, il me fait comprendre qu'il arrivait des matchs de football. Tchatchou, toujours Tchatchou. Non seulement tu es le dernier en classe et c'est toi qui ne restes pas tranquille. Je ne suis pas dernier, moi c'est je suis avant-dernier. Je crois que tu parles. C'est comme ça que tu fais à la maison? Maintenant, je suis dernier, moi je suis avant-dernier. Hein? C'est comme ça que tu parles à tes parents à la maison? Ok. Tu as une convocation et puis tu m'amènes tes parents. Hé, hey, monsieur. Tu as une convocation, je te dis, amène-moi tes parents. En tout cas, il a intérêt. Tu restes pas tranquille avec ta grosse tête là. Ah, maîtresse là, elle croit pas trop grave quoi. C'est un peu. Maintenant, qui je veux convoquer? Si j'amène la convocation là au vieux, il va me tuer. Ngo la vieille, elle se bat. Dégage. Ce pays là, ça va pas. Hein? Fils de l'homme se réveille matin bonheur. Bah, et quand je suis Tonton, bonjour. Tchatchou. Oui. Ça va bien? Tout, ça va. C'est comment? Ça va. Eh, pas t'étais censé être à l'école, non? Voilà, en fait, tonton, on m'a donné une convocation. On a dit d'amener aux parents. Comme tu es le tonton du quartier, j'ai dit je vais t'amener. Ok. Donc cette convocation-là, c'est à l'école on t'a donné ça. Oui, on a dit les parents n'ont qu'à venir tout de suite. Tout de suite. Oui, oui. Ouais. Tu sais, c'est vrai, hein? Je suis le tonton du quartier, je suis là pour vous, mais tu sais, maintenant les temps ont changé. Ah, tu vois, ton tonton il est réveillé à Tchikarambo, Montessori, Benichao. Il va aller te dire quoi, directeur? Non, tonton, ça ne pose même pas de problème. Tonton! Et les Tchatchou, ton école, c'est ça qui est ici, non? C'est ça là-bas. On y va tous. D'accord. Ça, on va régler ça. D'accord. Mais ça, c'est n'est rien. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour, monsieur le docteur. Oui, bonjour. En fait, je suis venu pour la convocation de Tchatchou là. Il est venu me trouver à la maison, aller que Nimoni, Maka, gars. Familial quoi? Oui, oui. Mais quand même, vous a expliqué c'est quoi le problème, non? Attendez, mais. Monsieur le docteur Kalsou, il a cagé Garfou, il m'a fait comprendre que ça va pas et que le docteur m'a dit de venir. C'est tout, hein? Bah, ok. Je vais vous informer de ce que lui fait, Tchatchou. Tchatchou, c'est quelqu'un qui vient tout le temps en retard. Non seulement il est le dernier de la classe, et puis c'est lui qui perturbe les cours. À chaque fois, les professeurs sont là, ils se plaignent de Tchatchou. Au juste, on ne sait pas Tchatchou qu'est-ce qu'il est venu faire à l'école. Se montrer ou quoi?
C'est pourquoi je lui ai dit d'amener ses parents ici aujourd'hui. Pour que je puisse savoir sur quel pied lui il est. Tony, allez, écoute, tu es un petit fou. Je vais te faire un petit peu. Donc, on va te faire un petit peu. Aïe!